Al-Daslem. Bien, donc voilà, donc là on est dans les nouveautés. Donc, Enti, tu fais partie du groupe Naql. Ouais. Donc, c'est un produit, je dis tout à fait, il te mèche à l'identité, ou à la physionomie de la Seat, la marque Seat. Donc, qui m'a dit, tu vois, donc, nous sommes à bord du nouveau Tarraco. Donc, c'est un nouveau SUV. J'aime l'idée qu'il soit sportif à la fois ou familial. C'est un modèle sportif à la fois ouessa ou fonctionnel qui m'apchera ou tawika. Donc, j'ai le Tarraco fouk l'ATK, les prochaines mois d'Abshin Jiboha. دونك وكملتنا القامة نتاعنا الكل مع لي بيزا ومع لي يون داكور D'accord. دونك فوالا اون فا ديماري لا فواتور بور فوار اكزاكتومون شنو هي لي زوبسيون دونك جوست نزل لي على الفران بيي من غادي فوالا دونك لا الكهرباء تخدم افيك لو بوتون ستار اند ستوب داكور دونك كيما نراو عندنا ان ايكرون معناتها في الكونسول سنترال اللي هو انور بخي في لي بوس دونك فيه براتيكمون لي فونكسيوناليتي الكل فوالا Donc, on a fait tout ce qui est radio, tout ce qui est média. Navigation, alhamdoulilah, c'est une première fois. Donc, mojouda ana kif-kif. Info trafic, les images, téléphone, véhicule, toutes les informations, les mojoudina ana karaba, donc on a fait un radika. Le full link aussi, donc toutes les applications, les téléphones qui n'ajoutent qu'on nous affichés directement sur l'écran. Les climatisations, kif-kif, n'ajoutent hak mobile menhene, que ce soit menhene ou la menhene, pour rester concentré akfer al kayes. Donc, voilà. Par exemple, navigation, c'est une première. Volume sonore des messages de navigation. Les commandes vocales. Donc, on a kif-kif, je trouve le cockpit radio virtuel ou lettre. Donc, faire plusieurs types de view. Donc, je trouve au choix. Ça, c'est le console centrale et la radio interne qui m'appelle avec des gradations normales. Donc, toi, les axes orientés vers la navigation, toi, les axes vers la sportivité avec la dégradation, un petit peu avec un look sportif. Évidemment, on peut pas gêner, on bat le coup, tout ce qui est véhicule, le mode autonomie, tout ce qui est les assistances. Donc, système d'assistance, donc, on a assistance de stationnement, on a assistance des angles morts qui m'a pas dit, on fait les rétroviseurs, fait les bouts des deux rétroviseurs. D'accord? Donc, on a kif-kif l'assistante au niveau des manœuvres. Je vais vous donc on a le GPS, donc kif-kif, on a le mode vocal, le mode direct. On a l'autre kif-kif, donc on a fait le volant. Donc, faire le volant trois branches, c'est un volant sport. Je fous avec le slogan l'excellence pour montrer la qualité des matériaux qui vont aller faire le caraba. C'est une nouveauté qui maintenant je me parle très fait, c'est le dakhana le bois. Alors, ouais. On a une petite touche de bois qui m'a qu'à chouf, donc j'aime bien la bâche. Sur les côtés, donc elle se marie très très bien avec la lumière d'ambiance. L'année, ma trache m'lire khater tawasber le feliti ambiance. Mais mettre ma belhak, les contreportes col ou gainés avec les surpiqûres et en cuir. Donc qui m'a qu'à dire raou la qualité. La qualité s'est beaucoup améliorée. Exactement. Donc, hata fait les moindres détails qui m'a chouf. On a le chrome brosé lehne, fait les languettes de l'albiben, fait les diffuseurs d'air, donc on a les petites applications noires laquées qui m'a qu'à dire chouf ou yati mandel mezien. Même hata le plastique qui m'a qu'à dire raou, c'est du mousse. Ouais, c'est de la qualité. Ahsen, ma femme. Le ciel pavillon noir, hata mesqaf. Donc ça c'est une option, donc akhal kolo te permet d'avoir ambiance plus gaie dans le caraba. Donc la zaou le kolo dans le caraba qui m'a qu'à dire chouf ou tbadel wala billet. D'accord. Qui m'a mis le codem, qui m'a fait les lunettes, voilà, là, il fait le pare-soleil. Qui m'a mis le codem, qui fait le caravan, voilà ton bar, on chauffe dans le terrain. Donc, on a l'affichage, la climatisation, qui m'a l'ada, ma kharajnesh à l'ada, donc, qui m'a le groupe Volkswagen, le colo, donc, on a climatisation, mais le codem bison, on a kif-kif metteli, donc, il va les trisons, climatisation, en trois zones automatiques. Donc, on a fait, on a mis le mode, on a fait le média, on a fait le média, en fait, fait le média, on a pratiquement tout le chaya. سيات دلتنا برشا في الكهرباء هذه ما خلينا حتى شيء ما حطيناه دونك عندنا ليكتور سي دي دو كارت اس دي يو اس بي كيف كيف دو
auxiliaire, on a kif prise auxiliaire, ou l'audio Bluetooth, ou l'USB tele, ou la navigation SD. Donc, on va voir le calcul. Donc, on a là, juste à côté, donc, قريبة نجم تحط هنا دو بور يو اس بي عندنا لهنا اوكسيليير افيك 12 فولت او كاو ولي شارجي فوت تليفون ولا حاجه كيف كيف لهنا في البواط اغون ان بيتي بو دي يا ان سوربريز فوالا يا ان بيتي سوربريز دونك عندنا سيات ايزي كونيكت دونك عندنا ليكتور دو سي دي داكور و دو ليكتور كارت اس دي داكور فو بوفي لي رونجي ايسي Et évidemment, la boîte à gants, elle est réfrigérée. Donc, on peut l'ouvrir, qui est le cas. Voilà, donc tu mets de la bouzamette, tu mets quelque chose qui te fait berda ou un farchka. Voilà. Et pour la première fois, c'est une première, donc tu as le manuel de navigation, Seat Navigation. Donc, tu as fait la navigation où elle te permet de savoir comment fonctionner ta navigation à la fin de l'année. D'accord. Alors, on est sur une boîte, boîte auto à 6 rapports. Exactement. D'accord. Donc, la boîte DSG 6 rapports. Mm-hmm. Donc, il m'a dit que vous faites un mode drive ou mode sport. Donc, vous pouvez la conduire avec le sélecteur manuel. D'accord. Ou elle, ce qui est très important, on a les palettes au volant. Donc, qui m'a ça c'est sympa les palettes, là, ouais. Dites les vitesses et vous ouais. Pouvez rétrograder donc ça, fait, ça donne une conduite sportive. Exactement. Nous avons fait sportivité. Donc, là, quand je me trouve une petite molette, donc, c'est un sélecteur de mode de conduite, fille mode éco, fille mode normal pour tous les roues. On a déjà fait l'écran. Donc, là, c'est une molette. Et où fille la fameuse. Mode sport. D'accord. Donc évidemment, nous avons fait le mode individuel, donc vous pouvez faire votre propre configuration au niveau de la suspension, au niveau de la motorisation, et ainsi de suite. D'accord. Alors on est sur une motorisation qui est assez puissante, donc tu me parlais de plus de 150 chevaux, 155. Exactement, d'accord. Exactement. En fait, c'est un moteur qui a fait ses preuves, moi je dis dans le groupe Volkswagen, c'est un moteur, c'est le 1.4 litre TSI. D'accord. Mais c'est un moteur qui est boosté à fond, donc il développe 150 chevaux. Ok. Qui est assez très bien pour notre vie, ah oui, pour c'est la suffisant. Circulation de la Tunisie. Largement. Le KS7, donc l'avantage de la moto c'est que la première chose est une moto économique. Donc, c'est la première chose. On est sur combien au 100 au mix par exemple? C'est aux alentours de 6 litres 7 au 100. D'accord, 7 okay, litres au 100. Convenable. Mais évidemment, évidemment, au style de conduite. D'accord. Qui maintenant j'aime akal, qui la sportivité et puis ce que tu utilises économique, voilà. Bien voilà. Sûr, c'est voilà. Normal. Alors, oui. C'est pour ça il y a trois modes de conduite. Donc, il y a akal, donc il y a mode éco. Il y a plus d'agressivité au niveau des tours minutes. Il y a le carabajab akal, il y a un mode sport. Alors, le coffre, tu m'as parlé d'un volume, c'est au litrage, c'est énorme. Hein, donc, Exactement. Le caraba qui m'a dit que c'est un peu plus donc le caraba il est assez fonctionnel, indépendamment à la sportivité, à la luxe, il est assez fonctionnel. Je fais les compartiments, le col, le caraba. Beaucoup de rangements. Voilà, beaucoup de rangements. On a déjà une accoudoir centrale, déjà, elle est très fonctionnelle. Mm-hmm. En même temps, faire un petit rangement. Là, d'accord. Kif kif donc on a un rangement universel là net tu peux faire اي حاجه et en même temps tu peux l'utiliser en tant que porte-bouteille. Ouais, ça c'est très sympa, j'ai adoré. Voilà. Ouais. Ou la porte-bouteille. Ouais. Donc c'est modifiable, ouais, ouais, voilà, ouais. Suivant l'objet libre tu peux. D'accord. Tu peux voilà avec un simple clic, يعاود يرجع rangement d'accord. Simple. Ouais. Kif kif les portes là net, les contre-portes, on a des porte-bouteilles que ce soit là net ou la mangadika. D'accord. Matelassé évidemment. Qui m'a connu la qualité. C'est important. C'est important. Voilà. Et pour le bruit aussi. Exactement. Nous avons le mental qui est canaqué. D'accord. D'accord. Donc voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est très spacieux, hein, on le voit. Exactement. Hein. Non, je pense que ça se voit. Ouais. Déjà. Ouais. Donc beaucoup d'espace. Alors il y a un rangement très sympathique là. Donc, en fait, le télé. Des accessoires. Une très jolie tablette. D'accord. Est, très sympathique. Ouais. Avec évidemment des porte-gobelets latéraux. Kif 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 m'amène. Qui m'amène à dire. Sur les deux côtés. Voilà. D'accord. Femtni. Donc, dans les tablettes. La qualité des matériaux, c'est la même. Qui m'amène Kodem, qui m'amène Teli. Les rangements, moi, je vous dis, fait le biben. Kif. La qualité, les contre-portes en cuir.
هنا عنا البواء وعنا اللوميير دو كورتوازي مارييه تري تري بيان كيما تشوف مع الكوير دونك شفت ديما On a combien de lumières de courtoisie on a deux peut-être Là exactement il y en a deux il y en a deux voilà okay. alors ici on a un des ranges aussi exactement. on peut il y a okay. les rangements لهنا عندك لهنا كيف زيد un chargeur ouais, au cas où vous voulez charger un téléphone ou elle a 12 volts au cas où je prends un PC ou la حاجه d'accord هنا عنا un petit afficheur qui est assez sympa donc vous pouvez aussi معناتها كيما قاعده ترى تحل وتنقص وتزيد في معناتها السخانه ولا تنقص ولا تبرد داكور 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 alors on a un accoudoir je vois aussi exactement هنا عندنا دونك accoudoir central داكور فوالا pour être plus à l'aise حاجه اخرى في الكرسي تيلاني il est ajustable donc عندنا لهنا المود كونديت نورمال المود نورمال داكور نجم je veux m'allonger نهز هذه شويه ونتك اوكي نولي هكا كاريمون en mode salon داكور elle est impeccable ياسر مرتاحه من بالي Ouais, ouais voilà. ça se voit. Ouais. Et alors on est sur du cuir, hein, donc les sièges en cuir. Les sièges aussi, ils sont réglables, donc ils sont rabattables, aussi ils sont ajustables. Maintenant je me prends de faire. D'accord. Voilà. Ouais, super. Et je gagne de l'espace encore maintenant. Pour le coffre, exactement. Qui est déjà énorme. Yo, déjà énorme. Ok. Donc c'est, elle est très très fonctionnelle au niveau des équipements. Alors au niveau des lumières déjà, on voit le LED hein, magnifique. Au niveau des lumières, donc on a la nouvelle manette de génération. Surtout le LED à la carabel cool. Lumière LED D'accord. On a un réflecteur, donc fait l'île qui type de carabel. Ouais, c'est ouais. On a ça sur la nouvelle Seat Leon aussi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Prochainement. C'est la toute nouvelle génération. Ouais, ouais. Donc, le coffre, donc il y a peut-être un D'accord. Donc, il y a le bouton. D'accord. Ou là, il y a le pédale virtuel. D'accord. Donc, là, je vais vous dire, on est pas le coffre. D'accord. Mais les à condition, il y a un ouvrage. Il suffit juste, on a dit, on a pas choisi un carabin. Ah, c'est génial. Ah oui, quand tu es... quand tu... Exactement. D'accord. On appuie juste sur le bouton. Et on a ce fameux coffre qui est... D'accord. Qui est de 760 litres en mode normal. Ok. D'accord. Ok, donc on a... Voilà. Juste, je n'ai pas chauffé l'espace de rangement en Iran. Qui est énorme, hein, donc regardez. Ouais, ouais. Voilà. Donc ici, on a la touche, on peut refermer. Donc, exactement. On peut rabattre les sièges en plus, on peut le rabattre les sièges, mettre les directement dans le coffre. Ah, ok. Super. Donc c'est fonctionnel. Si on a... Donc il suffit, ouais. Et je vais te mener. Ok. Voilà. Ah, ok. Vous avez le siège qui Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Pour avoir pratiquement 800 ou 900 litres de plus. Oui. Voilà. Alors là, on a une. Je pense qu'on doit avoir. Ah, d'accord. Voilà. Ok, super. On a route secours. Ah, ok, hâte à l'espace. Les femmes, moi, je crois que j'ai un compresseur. Justement, c'est ce que je voulais découvrir. Une chose très intéressante, il y a un subwoofer qui est juste incrusté. Incrusté à l'intérieur. Ouais, ouais, ça, c'est ça. C'est une première, Benesbal Tarako. Et les systèmes audio, c'est le Beats. D'accord. Donc, on a Ahsen ma femme en termes de qualité. Connu, ouais. De, exactement, en termes de qualité de sono. Donc, on a mis les gadgets. Donc, le carabavaya fait un système de boule de remorquage, un système d'attelage. Donc, juste il faut appuyer sur ce bouton. Colchay, tout est fonctionnel. Donc, on appuie juste sur ce bouton. Oh, le génial. Système, donc, génial. Donc on a le bout de l'attelage, t'as quoi. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas voilà, mal ça. Avec tous les systèmes de donc. D'accord. Kif kif bist rajaha, faut juste appuyer. Voilà. Superbe. On a Donc, super. Voilà, donc on a des fonctionnalités, voilà les boutons, tous les boutons sont là. C'est pas mal, ça fait ça. Ok, donc pour on voit Scorpion, c'est énorme. Pirelli. Oh, exactement, indépendamment à les pneus. C'est... Ouais. Donc les pneus, j'ai bien assez Scorpion, Pirelli, une arsenal femme à qualité, et les jantes 20 pouces. Donc c'est une première. Les Pirelli Scorpion sont connus. Hein, exactement. Donc c'est pour les rally raids, etc. Donc c'est une sportive. Au fait secteur, au fait segment plutôt d'Araco, c'est une première. Il n'y a aucune véhicule qui fait les gens par 20. D'accord. Donc, nous avons venu pour la première fois. Haja Mziana Barsha. Alors, on remarque que les barres de toit à anodiser. Les barres de toit pas mal. Ouais, pas mal. Ça veut dire qu'il y a un kiff de chrome autour des vitres. Ouais. Je vais fermer la porte et je trouve tout seul à la carabe Mziana. Voilà. Bon, des limites, maintenant.
Donc, on a le sac pour le voile panoramique ou elle ouvrant qui m'a hâte. D'accord. Donc, on a les deux positions. Et on a qui m'a hâte, donc on a l'ouverture sans clé. Il suffit juste qu'on a les clés, je crois. D'accord. Ah, oui, bien sûr, pour le sac. Là, on a le rétroviseur rétractable. Voilà, avec les réflecteurs en LED. D'accord, réflecteurs en LED, c'est joli ça. C'est très très joli, je trouve. Ils sont rabattables électriquement, évidemment, qui m'apprennent avec qui signale les angles morts. L'air, ouais, l'angle mort. Ok. Donc, je me prends un. Nouvelle signature de la marque. Donc, la nouvelle signature de la marque qui m'a fait avec ce gros calandre qui est très très beau. Là, en nid d'abeille avec des petites touches chromées de Zienba. C'est pas mal, ouais. Là, qui m'a fait une rave, t'en bas de noir et elle a une caméra là, même. D'accord, elle est là. Une autre caméra à Mentel. Ok. On a deux autres caméras, on fait les rétroviseurs. Sur les rétroviseurs. Donc, en fait, faire le système area view, donc caméra 360 degrés. Donc, à la toutes les angles, là, je me trouve, je vais un petit peu de temps. D'accord. Que ce soit, vous allez vous garer, ou que ce soit, en temps normal, là, je me trouve, je vais faire un limite, un lissage, un problème, un télé. Voilà. Donc, alors, on parlait tout à l'heure des, du siège entièrement électrique. Hein? Exactement. En fait, le siège c'est entièrement un siège en cuir. En cuir. Voilà, qui m'a pas dit choufou avec ma. Les lombaires. Les lombaires sport. Ouais. Donc, là, on a les boutons pour faire le réglage des lombaires. D'accord. Ici, voilà. Là, on a kiff, manette, les boutons pour faire tout le réglage. C'est les brocules, ouais, d'accord. Adam, toi, tu as fait. Et en plus, vous avez trois positions de mémoire. D'accord. Quand le carabin est surcouffé, par exemple, deux personnes, trois personnes, on peut mémoriser. On peut mémoriser. Voilà. Mais on peut le réglage dans le rétroviseur. Il y a tout le monde dans le bouton. Pour qu'il y ait un rajet de souk, il y a une autre position. Super. Ça, c'est très agréable. C'est très agréable. C'est très agréable. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Alors, donc on est sur, bien sûr, sur des vitres teintées, hein, full. Et pour le, alors le prix, il est vraiment très. Moi, j'ai vu le prix. Allez, je ne vais pas trop donner. En fait, pour le prix, donc la voiture elle est proposée fille de gamme. Donc la première finition, c'est la finition style. On aura, inchallah, le temps à découvrir ensemble. Donc, c'est la finition excellence. Excellence. Ok. Donc, la style, elle est à 129,80. Ouh là là. Voilà. Ouais. Donc, c'est un prix qui m'a pas dit. Ouh là là. Très ouais, agréable. Ouais. Yuja. Voilà. Yuja dans le bon sens, par rapport à la concurrence. Yuja. Voilà. Avec tous les équipements, les rinés, les mêmes zènes, les rinés, Donc, il nous faut. On pourra venir les découvrir au showroom Chalguet. Hein, donc. Voilà. Donc, elle est proposée à 149 980 et c'est un prix de lancement qui est très très agréable. Ouais, du point de vue, les options, la motorisation, le wissant al karaba. Donc, elle répond pratiquement à tous les besoins. Ouais. Et puis la motorisation, elle est impeccable aussi. C'est très bon. Bien sûr. Et Arsen Haj, indépendamment des équipements, rien à tâcher, mais en tant que. Amateur de voiture, il y a une des bâches le moteur 1.4 et 6. C'est un moteur qui est économique mais agressif. Agressif, oui. Pour tel les Nestrapo, IGEO. Exactement. Ok. Khaled, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Et puis donc on se reverra parce qu'il va y avoir d'autres nouveautés, je le sais. Donc on ira. Marhabik, on est très heureux de vous voir parmi nous. Marhabik, on vous aide aussi à Chalguet. Ok. Chalguet 2. Venez nombreux pour découvrir voilà. La fameuse Tarako. Ok. Merci beaucoup.